Ok tout le monde, bienvenue sur la chaîne Cuisine Time. J'espère que vous allez tous bien. Petite vidéo en complément de la vidéo du pain au levain naturel dont le lien s'affiche ci-dessus. Nous allons donc procéder à la fabrication du levain naturel qui nous servira par la suite à la réalisation de multiples recettes que vous pourrez retrouver bien sûr sur la chaîne Cuisine Time. C'est parti! Pour la réalisation du levain, nous avons besoin de deux éléments principaux qui sont la farine et l'eau. Mais pour le lancement, nous allons y ajouter un peu de miel. Petite précision, optez pour de la farine bio. Moi j'utilise ici de la type 110. Bien que la farine complète soit préférable pour la fabrication du levain naturel, vous pouvez tout de même faire du levain avec tout type de farine. Pour l'eau, on va plutôt préférer de l'eau minérale ou de l'eau de source en bouteille, ou même de l'eau filtrée plutôt que de l'eau du robinet. Au premier jour, on va donc mélanger l'eau, le miel et la farine afin d'obtenir une pâte homogène. On va placer cette pâte dans un récipient en verre. Ici, je la place dans un verre mesureur afin que nous puissions contrôler ensemble l'évolution du levain. Nous voyons donc ici, on est à peu près à 50. On couvre le récipient avec du film alimentaire. Ensuite, on fait des trous afin de laisser l'air s'échapper. Ensuite, on va mettre le bocal dans un endroit à l'abri des courants d'air où la température est stable. Ensuite, nous allons laisser cette pâte travailler toute seule pendant environ 3 jours, mais vraiment à titre indicatif, car cela dépend de l'environnement dans lequel elle se développe. Troisième jour, donc on peut observer que le levain est à peu près à 150. Si vous vous rappelez, nous avons commencé, il était à 50. Mais ce qu'il y a, c'est qu'au bout de 1 jour et demi, j'avais une bonne source de chaleur. Le levain était monté à 200, mais je n'ai pas eu le temps de m'en occuper, ni même de vous prendre des photos. J'ai laissé passer 3 jours et il est redescendu à 150. C'est pas grave, il a bien bullé, il a bien travaillé. On voit par le dessus qu'il y a une couche qui a commencé à se former. On va faire ce qu'on appelle un rafraîchi. On va tout simplement le nourrir avec de l'eau et de la farine. Comme précédemment, on va le couvrir avec un film alimentaire et y faire des trous ou avec un gaz. L'essentiel, c'est qu'il ne soit pas hermétiquement fermé. Ensuite, vous le replacez à son endroit de prédilection et vous le laissez travailler pendant une journée. Quatrième jour, nous voyons que le levain n'a pas trop travaillé, a très peu gagné en volume. Il a bullé, mais très peu, encore moins qu'à ses débuts. Nous voyons aussi par le dessus qu'il a une texture qui est très différente de sa texture de base. Il est très liquide. Si ça vous arrive comme à moi, on va y remédier. Nous allons tout simplement rajouter de la farine sans eau pour qu'il puisse retrouver sa texture de base. Donc j'ai mis 50 g de farine, mais c'est à vous de jauger. Le but sera de retrouver la texture de départ, c'est-à-dire une pâte pas trop compacte, pas liquide et plutôt consistante. Ceux qui n'ont pas rencontré ce problème, vous pouvez tout simplement faire le rafraîchi classique, 50 g de farine avec 50 g d'eau. Alors, comme j'ai un doute et que je soupçonne le gaz, je vais par précaution nettoyer le récipient sans détergent, y remettre dedans le levain, le couvrir avec du film alimentaire, faire des trous pour laisser l'air s'échapper et le remettre à sa place pour une journée de plus. Cinquième jour, le développement du levain a repris son cours, tout se passe bien, le levain a bien bullé, donc nous allons faire un rafraîchi avec 40 g d'eau et 50 g de farine.
J'ai laissé passer 2 jours sans m'occuper du levain. Il s'est bien développé. On est donc au 7e jour. Il a de grosses bulles. Mon levain mère est donc prêt. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous invite à cliquer sur le lien de la vidéo où je vous montre comment faire du bon pain maison avec ce même levain. Merci de partager et merci de commenter. Et surtout, portez-vous bien et à la prochaine.